Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre incroyable aventure sur Simulacrum. Si jamais vous n'avez pas vu la précédente vidéo sur Simulacrum, regardez-la avant, parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Sachez que j'étais bloqué du coup dans la dernière vidéo, je savais pas, voilà, je tournais en rond, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai compris ce qu'il faut faire, je vais vous montrer ça, c'est parti. Alors oui, en fait, j'ai compris ce qu'il fallait et ce qui manquait. En fait, alors par contre, je sais plus où c'est qu'il faut aller. Je sais pas c'est quelle porte. Alors attendez, est-ce que je vais y arriver du premier coup? Ouais, alors normalement il faut qu'on aille là-bas. Faut qu'on aille là-bas. Et il me semble que c'est cette porte-là qui était assez inutile. En fait, j'étais assez con. Non, c'est pas... Si, c'est là. J'étais assez con. En fait, ici c'est écrit Don't trust the lies. Enfin, bref, ne crois pas la lumière, c'est un mensonge. La vérité unique, c'est le noir. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est que je suis allé là. Et donc je peux pas sauter dans le vide, hein, sinon je meurs. Et pour rigoler, j'avais essayé d'éteindre en fait la lumière. Alors attendez, on fait F. Et c'est tout. Sauf qu'en fait, quand on éteint la lumière, c'est un peu comme dans Indiana Jones. En fait, regardez, hop, et ben je peux marcher dans le vide. Et voilà. Et du coup, on a une porte. On a une... Et non, on a surtout une graine. On a surtout une graine. J'ai trouvé une graine d'argent. Donc une graine qui... Oh là! C'est quoi ça? Qu'est-ce que... Oh, une clé. Il y a une clé à l'intérieur. Je peux peut-être l'atteindre avec mon bras. Non. Je vais pas le faire parce que si je vais mettre mon bras... Non, on connaît la couille. Allez, vas-y, on essaye ou pas? Ah, ça, c'est vraiment un plan foireux. Hein. Vas-y, on le fait. J'ai trouvé une clé cramoisie. Ah bah, j'ai réussi. Ah bah, heureusement que je l'ai fait, alors. Bah, je me suis dit que j'allais me faire couper le bras, ça aurait été assez dommage. Du coup, voilà, résultat, en ayant fait ça, on a trouvé une graine en or, et en plus de ça, une graine en argent et une clé cramoisie. Donc, je pense que ça va nous être très utile, et là, on va vraiment pouvoir continuer l'aventure plutôt paisiblement. Et j'y avais pas pensé, en fait. J'avais éteint la lumière, en plus, dans la dernière vidéo ici, mais... Et du coup, on va aller là. On va aller là, les amis, et on va pouvoir planter la graine. On va pouvoir planter la graine, et normalement, ça devrait être assez sympa. Alors... On a donc 3 graines, il y a des trous dans le sol hein. Donc on a 3 graines. Et alors ce qu'on va faire, on va mettre la graine d'argent par exemple ici, alors je sais pas s'il y a un ordre. Et la graine en or par exemple là. Très bien. Est-ce que ça fait quelque chose? Non. Attendez, laissez-moi réfléchir, est-ce qu'on peut trouver les notes? Voilà. Alors l'histoire avec, vous vous rappelez, je vous avais dit, il est où? Je sais pas où il est, attendez, bougez pas. Ça va être le bouquin qui est juste là. Parce qu'ici il y avait une histoire avec un loup. Le livre d'enfant. Attendez, on va relire parce que je crois que ça va nous être utile. Regardez. 4 loups affamés sont assis au soleil. Ils attendent. Regardons le pont qui mène machin. Vers le nord des montagnes machin. On s'en fout. Puis un randonneur s'approche. On avait déjà lu ça. Hein. Voilà. Ils voient un esprit d'or, la bête machin. Ensuite une pierre arrive avec des plumes mouillées. Très bien. Puis une famille se dessine à l'horizon. Les 3 loups machin. Une orpheline s'approche. Ah, c'est fini. Ah, donc ça nous aide pas. Parce que je pense qu'il y a un ordre. Attendez, on va... Je pense qu'il y a un ordre. Il faut mettre les graines d'une certaine façon. 4 loups affamés sont assis au soleil. Vers le nord. Alors le nord, c'est en haut. S'élève qui empale le ciel. Des montagnes s'élèvent. À l'ouest, un lac d'eau pollué. À l'est, une forêt dans un brouillard perpétuel. Alors, à l'est, c'est forêt. À l'ouest, c'est un lac pollué. Et dans le nord, c'est des montagnes. D'accord, attendez, on va essayer de voir un truc avec ça. Ça a forcément un rapport. Ça a forcément un rapport, les frérots. Regardez, je vais tout prendre. Attends, ça c'est quoi par exemple? Ça me fait penser à... Je sais pas, est-ce qu'on peut inverser les... Ah, on peut faire ça. Oh! Ok, d'accord, bah ça vient de faire pop une échelle. On va pouvoir la prendre, je pense. Ça y est, c'est parti, je monte l'échelle. Ouh. Ok, bon bah c'est parti, on est dans un conduit d'aération visiblement, enfin. Ça me paraît assez particulier. Alors, J'ai peur. Oh là, c'est quoi ça? J'ai peur. Eh ben même la dame, elle a l'air inquiète.
J'ai peur. J'ai très très peur. Oh, une échelle qui descend. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je ne sais pas, mais allons-y. Ouh là là, où c'est qu'on est? Alors attends, on a plein de papiers là. Des écrits sur une religion étrange, écrits par un enfant, je pense. Très bien, là. On peut pas interagir. Un tableau. Quoi? Je ne comprends pas. Eh ben alors, essaye de comprendre, non? Fais un effort, je sais pas, j'ai peur. Oh, ah, des dessins d'enfants, mais c'est une école ou quoi? Attends. Alors, je peux voir que tu t'approches, mon amour. Alors déjà, je vois que c'est signé Jennifer. Alors, je vous rappelle que Jennifer, c'était le premier papier qu'on a vu quand on est passé à travers le tableau. Donc, ouais, je sais pas c'est qui, mais cela me remplit de joie de savoir que notre distance est moindre à chaque pas que tu fais. Donc là, je suis vraiment en train de m'approcher de Jennifer. Je ne sais pas c'est qui, mais je dois insister pour que tu prends soin de toi. Enfin, pour que tu prennes soin de toi. Ouais, il y a une faute. Nous ne sommes pas seuls, toi et moi. Sois prudent avec lui. Il est pris au piège, comme moi. Et mettra tes pensées contre moi en te manipulant. Alors, lui... Je pense qu'elle parle, en tout cas, quoi qu'il arrive, de le mec qui faisait peur, là, au début, là. Genre, une sorte de savant fou. Il me faisait penser, d'ailleurs, avec sa DeLorean dans Retour vers le futur, l'autre, là. Ne brise pas ses chaînes, Jennifer. En gros, la Jennifer... Oh, putain, je sens qu'il va y avoir un choix à faire, sachant que je ne sais pas c'est qui Jennifer, je ne sais pas c'est qui le vieux qu'on a vu. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faudra choisir entre lui et elle. Une poubelle. Très bien. Redis-le une fois, voilà. C'était juste pour être sûr que c'est une poubelle. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Une chaîne. Ah bah c'est une chaîne. Il y a une chaîne, faut pas la... Bon, est-ce qu'on peut avancer? Oui. Je rappelle que j'ai une clé sur moi. Alors, sera-t-elle utile? Allez, on va partir par là. Hein. Ah, est-ce que je peux regarder la map? Attendez, on va regarder la map. On va regarder la carte. Pour voir où on est. Oh, on est là. Oh, bah... Oh, d'accord, on est de l'autre côté. On est là où il y avait justement le vieux, regardez. Ah, c'est quoi ça? J'ai trouvé une jarre d'huile. Vous voyez les barreaux? Eh ben nous on était de l'autre côté avant. Et donc là où je suis, c'est là où il y avait le vieux. Et si je vais à droite, c'est là où il y avait le vieux. Alors on va peut-être pas aller à droite, on va plutôt aller à gauche. Ah, c'est fermé de l'autre côté. Ah. Et si on... Attends, on peut pas utiliser la clé, attends. Non, très bien. Ça veut dire qu'il va falloir aller là. Mais on va avoir un screamer là en fait. C'est parti. What? Mais attends, mais c'est pas possible, on est où là? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Alors, on peut descendre. Mais si je descends dans l'eau, je meurs? Est-ce que je... Attends, déjà on va descendre ici. Déjà on va descendre ici. Très bien. Il y a des bruits assez étranges. Là, il y a une porte, à droite. Là, on part sur un cul-de-sac. Très bien. Bah, allons ici. Il y a trop de chemin, c'est impressionnant. Bonjour. Oula. Ah. Alors attendez. Alors oulalalalalala. Alors c'est écrit quoi? Sorrowed child plays in light hungry forest at their hand envions birds flying north death. J'arrive pas trop à lire. Death on a freezing night. Ouais, on peut pas faire genre une dance Saturday night et puis non. Très bien, alors je crois que bah, tout ça c'est un indice. Le seul truc que je comprends c'est que la forêt en colère est à la fin, est assez fin. Et qu'il y a des oiseaux envieux qui volent au nord. Et que la mort est froide dehors. Enfin genre ça gèle, bah la mort c'est quelque chose de froid quoi. Très bien, et que les enfants ils jouent à la lumière aussi. Mais je sais pas ce que ça veut dire so road. Je pense que c'est les enfants inconscients ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? D'accord, et eh ben on est parti sur un petit puzzle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On a 4 trucs à tourner. Et on a du vert, du bleu, du rouge, du noir. Attendez, qu'est-ce qu'on peut regarder derrière? On a des indices encore là. On a un truc ici. Ça veut dire quoi ça? Non mais attends, si on peut faire des trucs tout le temps. Il y a quelque chose d'écrit sous tous ces symboles. Ah. Alors attends. En été, en hiver, en automne, au printemps. D'accord. Eh ben je comprends rien. Est-ce qu'on a quelque chose par ici? Oh, ah, on a un point de sauvegarde. Attendez, on a un point de sauvegarde. On reconnaît maintenant. Donc on va sauvegarder. Hop, troisième sauvegarde. Ça c'est assez rigolo du coup ces points de sauvegarde. C'est très bien fait en tout cas. C'est très bien fait. Alors, est-ce qu'on va partir sur un truc au hasard? Ouais, je pense, parce que je comprends rien, donc j'ai pas envie de me casser la tête. Moi, ce que moi je dis, c'est que ici on va mettre sur du noir.
sur du bleu. On laisse sur du vert. Et là, on va mettre sur du rouge. Si c'est ça, c'est pas ça. Je sais pas. On va sortir d'ici et on va chercher ailleurs. Parce que la vérité est ailleurs. Je pense. Je pense. Alors, on va remonter. Et on va aller découvrir tous les autres trucs qu'on n'a pas encore vus. Eh ben, c'est incroyable, les amis. C'est incroyable. Alors là, est-ce qu'on peut descendre dans l'eau? Je ne sais pas. J'ai pas envie de tenter. J'ai pas envie de tenter. Ça va où ici d'abord? Regardons. Sachant qu'à tout moment, il y a le vieux qui va nous sauter dessus. Hein. Sachez-le. Je préfère prévenir. Oh, on a une horloge. Ça ressemble à une horloge, mais avec des symboles du soleil et de la lune. Ah. Bien que je ne puisse pas ouvrir la vitre, c'est fermé. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est écrit là? J'arrive pas à lire. The moon bleeds 1982. Ça veut dire que la lune, je sais pas ce que ça veut dire, bleeds, en 1982. Donc la lune a fait quelque chose en 82. Est-ce qu'il faut retenir cette date? Je pense. Est-ce que c'est un cul-de-sac? Je pense aussi. Et là, cette porte-là, je ne sais pas. La serrure est cassée, je ne peux pas entrer, mais quel dommage. C'est vraiment très dommage. Et ben moi, ça me va, parce que j'avais pas envie d'aller par là. Et maintenant, on va essayer d'aller dans l'eau. C'est parti. Ah bah non. Même pas en rêve, je touche ce truc. D'accord, bah moi je voulais, donc bah tant pis. J'aurais préféré crever, mais bon. Eh bah je pense qu'il va falloir trouver le code. Et je sais pas comment faire pour le trouver. Sachant qu'attendez, parce que là on avance et là il y a un signe là. Hein. J'ai l'impression que c'est un signe ça. Hein. Non, ça ressemble pas à un signe. Ou c'est juste dans ma tête? Moi je crois que c'est dans ma tête. Bon, bah les frérots, va falloir qu'on trouve. A chaque fois on a 4 trucs, c'est pas compliqué. On a 4 phrases, on a 4 symboles et on a 4 trucs à tourner. Donc c'est un rapport. En été, en hiver, en automne et au printemps. Si je dis pas de bêtises, c'est dans cet ordre. Du coup, moi je pense que vous voyez là le... Comment on appelle ça en fait, tout simplement? Parce que depuis tout à l'heure je dis truc et tout, mais le machin qu'on tourne quoi, il est relié, enfin il est en rapport avec le truc en face. Donc ça c'est l'été. L'été c'est quoi l'été? L'été c'est la saison qui est rouge, non? Attendez. Parce que moi j'ai toujours appris. En bas c'est été, été, automne, hiver, printemps. Eh ben attends, on va tenter un truc. Alors, été, automne, hiver, printemps. C'est pas ça. D'accord. Eh ben, attendez, les phrases. Hungry forest at their hand. Ah. La mort, death or unfreezing night, c'est noir, la mort c'est noir. Et c'est la dernière phrase. Donc ici là, en tout dernier, il faut mettre du noir. 100%. Donc l'été c'est du bleu. Donc si l'été c'est du bleu, c'est le dernier ici là. C'est le dernier ici, on le met bleu. D'accord? Ok, donc ça fait noir bleu à la fin. Et pour le début, on a du rouge et du vert. Sachant que on a les enfants. Bah non, mais les oiseaux j'ai mis bleu hein. Donc les enfants tristes, on va dire c'est vert. Et la colère, c'est rouge. Donc, le deuxième, c'est rouge. Et le premier, c'est vert. Je suis pas convaincu, hein. Donc là, le deuxième, c'est rouge. Et le premier, c'est vert. Oh yes! J'ai réussi! Je suis une machine. Je suis un putain de monstre. Ok, d'accord. En fait, c'est une salle de torture ici. Est-ce que je suis fier de moi d'avoir trouvé le code? Oui, totalement. Ah, je suis content. Ah, je suis content de ouf. Non, attendez. Il faut que je sauvegarde. On va sauvegarder maintenant qu'on a trouvé le... Eh oh, oh. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Attendez, on va sauvegarder. On va mettre sauvegarde 4. Ah, je suis fier de moi, les frérots. Mais du coup, ouais, c'est une salle de torture. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, c'est pour mettre des gens dedans. Et puis, dans l'eau, ils crament et ils sont morts. Hein. Oh là. Ça fait peur, on va allumer la lumière. Oh, j'ai peur. Est-ce que c'est une bonne idée de descendre? Je ne sais pas, mais allons-y. On descend. Oh, elle est tombée. Okay.
Ok, ça va, tout va bien? Oh là, rien de cassé, j'espère. Oh là là. D'accord, je vérifie toujours autour de moi, hein. Je sais qu'il y a une porte, mais... D'accord, bon. Bon, déjà, on n'a plus moyen de remonter. Ça, c'est vraiment sympa. Fait plaisir. J'ai toujours une clé sur moi, hein, rappelons-le. Oh putain. Oh, j'ai peur. Oh là là. Et on descend toujours plus profond, vous avez raison, hein. Oh là là. Il y a un truc qui va nous sauter dessus. Oh là là. J'aime pas ça. J'aime pas ça. En tout cas, je vous aime. J'aime ma copine. J'aime. Oh putain. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai peur. Il y a un truc qui va nous sauter dessus. Faut que j'arrête de réfléchir. Oh là! Oh, la porte rouge, elle m'a fait peur. Enfin, si c'est une porte, hein. Pas sûr que ce soit une porte. C'est même pas une porte. C'est un trou. What? Ah si, c'est une porte, pardon. Oh là 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 là! Attendez, c'est quoi ça? Il y a un tableau de moi géant. Je ne pense pas que tu iras aussi loin, mais si tu devais lire ceci, félicitations ma fille. Bien que cela ne devrait pas me surprendre, puisque ton esprit et ton esprit appartient au sang divin de notre Seigneur, tu es une de ses enfants après tout. C'est méga glauque. De toutes les saints frères et sœurs, tu seras un lien pour notre alliance. Comme dans tes rêves d'orphelin, tu seras bientôt avec lui, avec ton père. Et c'est signé par personne là. Alors on part sur une nouvelle sauvegarde, hein, bien sûr. Ça annonce rien de bon. Faut aller où là? Oh putain, je viens de... Ah, c'était une porte. C'était une porte armoire. Oh là là. C'est putain de glauque. C'est putain de glauque. On peut aller à droite, à gauche. C'est quoi ça d'abord? Bonjour. Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas. C'est en quelque sorte familier. Ah ouais? Tu trouves ça familier, toi? D'accord? Bah écoute, ça va? C'est que c'est rassurant pour toi tout ça? Moi ça me... Ah, j'ai la chair de poule ça, maman. Ah, attendez, ça va pas là. Oh, y a un mot. Oh! You must use. Bah attends, normalement il y a une traduction, hein. Voilà. Vous devez utiliser le credo de leur ange pour vous libérer. Il ne me donnera pas sa langue écrite, alors je vais vous donner la mienne. La clé est prise. Donc il y a un mot de passe, je pense, et le mot de passe c'est prise. C'est quoi ça? Oh là là! Est-ce que tu sais traduire ça? Des runes, mais pas celtiques. Est-ce que je peux arriver à les déchiffrer? Attends, réessaye une fois. Non, ça m'a l'air assez compliqué à déchiffrer, hein. Bon. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula. Oula. Très bien. Bon, bah, allons de l'autre côté, hein. Je sais pas où il est, le vieux, et... Ça se trouve, en fait, du coup, le vieux qu'on a vu, c'est notre père. C'est possible, hein. Oh, le mot de passe! Une chaîne est enroulée autour du casier. Il faut qu'on mette praise. Ah oui, bah d'accord, mais... Attends, PRAISE. Il y a assez de caractères, donc c'est bien ça. Il faut écrire praise. Et je pense que ça s'écrit comme ça. Regardez, attendez, bougez pas. Comment ça fonctionne? Je pense... Parce que j'y connais rien, moi. A, B, C... Non, je connais rien. PRAI, tout va bien. J'ai le E en bas. J'ai pas le S. Ah, mais attendez, faut peut-être valider. Ah non, pas du tout. C'est bien praise hein, qu'il faut en fait, ça se peut, je dis de la merde hein. Attendez, bougez pas, note. Non. Ah mais attends, c'est écrit contre un mur. Faut qu'on aille retourner voir là-bas. On n'a pas récupéré de papier. Oh attendez, il y a un levier. Quelque chose bloque le levier. Eh ben voilà! Attendez. Bah ouais, on va retirer l'objet. J'ai trouvé une aiguille d'horloge. Oh, il faudra retourner à la porte qu'on avait vue dans la dernière vidéo où il faut mettre une aiguille. Bien sûr, est-ce que je peux maintenant? Et ben voilà. Je viens d'activer PRAISE. Ouais, c'est bien ça.
Je viens d'activer le levier par contre les frérots. Alors je sais pas si c'était une bonne idée. Je sais pas ce que ça a fait. Mais c'est assez sympa quoi. Très bien. Eh bien, praise, hein, on est toujours bloqué un peu. Ok, attendez, je viens de comprendre un truc. En fait, ce qui est écrit là, c'est la même chose que ce qui est écrit de l'autre côté. Et en fait, moi, je me suis... Mais oui, mais attendez, mais c'est complètement logique. Donc, attendez. Nous, on veut connaître les lettres P-R-A-I-S-E pour praise, c'est ça, hein. Eh ben voilà, on l'a là. Regardez, c'est le deuxième mot, là, regardez. We praise you. C'est pour ça que c'est pas traduit et que c'est écrit en anglais praise, P-R-A-I-S-E. Donc c'est le deuxième mot. Et donc y a plus qu'à aller voir de l'autre côté. Attendez, mais je suis complètement con, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Juste ici, hop. Et là normalement on a le mot praise, P-R-A-I-S-E, c'est ça. Donc c'est d'abord une sorte de E, un N, un P, un T, un A et un C. En gros, vous voyez, c'est le deuxième mot là. E-N-P-T-A-C. C'est pas vraiment ça, hein, mais du coup c'est E-N-P-T-A-C. Ok? On va mettre ça. Je suis un monstre. Je suis un putain de monstre. J'ai déjà oublié. E-N-P-T-A-C. 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 Alors. E-N-P-T-A-C. Alors. E. E. N. P. E-N-P-T. C'est ça on va dire. Et le A c'était celui-là il me semble. Et ben voilà. Ah non c'est pas ce C là. C'est Célimène. C'est celui-là. J'ai réussi putain. Oh. J'ai récupéré le levier. Je savais qu'il y aurait le levier là. Il n'y a plus qu'à le mettre ici. C'est parti. Bah je vais le mettre. Ah attends, il faut que je le pose moi-même, très bien j'ai compris. Hop. Et voilà. Et ça nous ouvre des petites portes. What? Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut faire quoi là? Est-ce que je peux me barrer? Attends, je me barre moi. C'est coincé, je n'arrive pas à l'ouvrir. Qu'est-ce que je dois faire? Bonjour. Ça va? Ça va mon pote? Tout va bien? S'il vous plaît. Game over. Sincèrement là? Ah j'ai perdu sincèrement, je pensais qu'il fallait vraiment sincèrement là? Non, tu déconnes. Ah!